Et bonjour à tous et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Terminator. On reprend notre aventure. Alors malheureusement, j'ai pas trouvé de moyen a priori de gérer les bugs liés aux intégrateurs. Donc ce qui nous pose problème, c'est ce bâtiment là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se placer ici pour l'allumer de loin avec un angle où on a quand même peu de chances de toucher l'ennemi. Enfin de toucher les intégrateurs. Voilà, on se met là, on arrive à allumer le dernier, où ça passe ras de leur... Ok, putain, il en reste un derrière. Ok, très bien, du coup, reprenons. Ici, on était en train d'essayer d'avancer, et là, il y a du monde, en fait. Très bien, au sol, les gars. Vous, vous allez là-bas. Le snipe, là... est capable de s'occuper de ces gens, excellent. Vous allez là-bas. Ici, putain, ici ils ont fini par sortir du transport blindé. Écoute, c'est pas grave, on va amener le transport blindé là. Il aura au moins une mitrailleuse pour aider un peu. Vous, vous courez jusqu'ici. On avait laissé un truc, non? On a laissé quelque chose? Une mitrailleuse avancée. On pourrait le prendre avec... alors pas avec eux parce qu'ils ont du plasma, mais avec une autre escouade d'infanterie lourde peut-être. Genre vous. Genre vous, vous devriez pouvoir prendre ça, non? Non? Ah, autant pour moi. Et vous? Alors vous, vous êtes à sec de chez à sec. Et vous êtes pas dans la portée de celui-là. Bon, en même temps, t'es tout seul, mec. Mais vas-y, enfin, non, ils sont deux. Allez, faut me raser ce bâtiment. Quoi qu'on fasse. Là, on va désactiver toutes les armes. Et on va t'envoyer par là, comme ça tu vas pas tirer sur ça au passage. Pareil là, vous me retapez ça. Ici, on fait le plein. Ici, le plein est fait. Là, ça a été géré, excellent. Foncez par là, vous. Et c'est parti pour gérer la place. Donc là, on a une ATGM, on a un camion pas tout à fait vide. Donc pourquoi pas inintéressant à rajouter. Ouais, arrête-toi là, parce que si tu... Arrête-toi même ici, parce que si tu prends un angle pire, ça va être l'enfer. On va devoir attendre d'éliminer ce bâtiment avec nos véhicules lourds, avant d'avancer, malheureusement. Ils vont encore plus derrière, quoi. Les enfoirés. Ok, c'est bon, c'est fait. Nickel. Donc toi, avance, shoot ça. Toi, tu vas dropper ta remorque ici. Voilà, avance jusque là. Et là, on est parti. Là, on va être un peu à découvert. Mais on va pouvoir avancer avec... nos auto-mitrailleuses, n'est-ce pas? Il y en a une, normalement une autre, elle est tout derrière. On va essayer de l'avancer jusqu'ici. Qu'est-ce qu'ils nous ont laissé, là? Un lance-roquette RPG, ok. Rien de fou. Une mitrailleuse. Donc ici, la mitrailleuse avancée, je pense que l'infanterie pourrait la prendre. Ouais, ils pourraient prendre ça éventuellement. On va les envoyer chercher ça. Et là, il y a quoi? Une mitrailleuse M240. Donc normalement... ça, c'est le fusil automatique. Et ça, c'est le truc de base. Ok, très bien. Là, ils peuvent rien prendre. Alors... maintenant qu'on a réussi à vider le bâtiment, on va faire une petite sauvegarde au cas où on a une balle perdue à la con. On commence à voir du monde là. Ah putain, c'est un char. Forcément, on va être un peu dans le mal. Il va nous falloir notre Bradley. Notre Bradley qui est là. On va lui réactiver ses armes. On va le ramener là rapidement. Le MV pareil. Vient ici. On a notre véhicule ATGM là. T'es où toi? T'es là, excellent. Vas-y, viens nous shooter ça.
Là, on va avancer la passerelle par, enfin la tourelle de lourde par rapport à ce que j'avais demandé. C'est parti. Ok, on se fait un peu allumer là. Je recule. Oula, excusez-moi, petit bug. Là, on a défoncé leur. Je pense pas que ce soit lui. Où est-ce qu'il est le véhicule là, tôt là? Là, on a une plutôt une bonne place. En plus, on a les mecs efficaces qui sont ici. Là, on est en train de déployer nos armures lourdes. Vous rejoignez ce bâtiment. Le transport blindé, on va l'envoyer jusqu'ici. Le MV jusque là. Le Bradley, il est passé par là, si ça l'amuse. Ce qui compte, c'est qu'on ait défoncé ça. Et notre véhicule à taux, là. C'est peut-être lui qui l'a eu. Ouais, non, il y a peu de chance. Il y a peu de chance, quand même. Ok, bon, alors par contre, l'infanterie, il va falloir se bouger, là. Donc déjà, relevez-vous tous. Hop. Hop. Hop, vous, je vous ai demandé d'aller chercher ce truc-là. Vous y allez. Vous voulez pas y aller? Pourquoi vous voulez pas y aller? Je ne sais pas. Allez-y. Hop. Et là, on avance. Réparez-moi ça. Là, on a perdu une tourelle? Ah non, c'est notre fourgon tôt. Ok. Il y a du lourd qui arrive là. Bim! Ah, il a balancé du smoke devant. Tu tires jusqu'où toi? En vrai, avec ton hit? Pas si loin, hein. Ouais, donc on va le récupérer, puis on va continuer de le trimballer sur la remorque. Faut qu'on avance, donc. On va continuer de trimballer nos tourelles. Ok, vous, je sais pas pourquoi vous êtes pas dans votre bâtiment, mais allez-y. Prenez celui-là. Le transport armé, on va le mettre en enfilade. Vous, vous allez là. Là, ils vont se retaper un petit peu. Là, c'est la nouvelle charge. On va les allumer dès qu'ils vont se pointer. Excellent. Lui, il est planqué derrière ses smokes hein, pour le moment, mais il décide de se barrer. Très bien. Ici, du coup, il nous reste du monde. Il nous reste des snipes complètement pleins. Les armes lourdes sont retapées. Là aussi. Donc, on récupère tout ce beau monde, plus vous. Et on progresse. Tant qu'ils arrivent, ça devrait aller. Là, on tire. Ah, il y a des mecs sur le mur ici, là. Notre snipe, il est où? Ah, il est là. Parfait. Viens sur ce bâtiment, s'il te plaît. Là, il y a l'autre enfoiré, là, qui essaye de jouer au con. On va envoyer le Bradley. Alors, on a pris la place, il faut qu'on s'attaque à la base militaire. On est capable de leur tirer dessus quand même, hein, avec nos petites munitions, là. Bon, là, ils ont plus de munitions, les pauvres. Ah, ça y est. Il appelle les intégrateurs. Allez, il nous faut du renfort là. Ok, le pilote est mort, ça nous aide pas. Ah merde. Au final, il passe quand même du côté des intégrateurs, du côté du cartel.
Ça, c'est pas cool, ça. Ok, tous à terre. Bon, eux, ils sont à sec. Ils ont plus rien. Et on n'a pas trop de quoi retaper, je pense. Hein. Ici, il nous reste de quoi faire, là? Ah, un petit peu quand même, vas-y, repack. Avance jusqu'ici. On va sortir eux. Ok, donc du coup, là, pour le coup, ils sont sortis, eux. Au sol, bah vu que vous êtes derrière, vous allez m'allumer ça. Là, on va se faire un plaisir de les défoncer, du coup. Pour eux. Est-ce que notre pirate, il aurait la possibilité de pirater ça, du coup? Non. On va le faire venir. Il sera plus prêt en cas de besoin. Petite automitrailleuse lourde désintégrateur, là. Et voilà, il n'y en a plus. Bon, par contre, ils vont nous balancer. Ils ont de l'artillerie, visiblement. Je ne sais pas ce que c'est qui nous tire dessus comme ça, mais... Ça va être désagréable. Donc, tant pis, on va quand même devoir envoyer de la ressource. Par là-bas. On va envoyer le tank, enfin le bulldozer avec sa plateforme lourde. Et je pense ce Bradley là, également. Et du coup, sinon, il faut qu'on avance. Ça, c'est quoi? Ça serait pas un ATGM, ça? C'est une mitrailleuse lourde, ok. Allez, on progresse, parce que niveau munitions, ça devient chaud. Le tank ici, il s'est fait allumer. Il reste des gens là-bas qui jouent au con sur leur toit. Les snipers vont s'en occuper. Parti, on progresse là. Ici sans recul, ici à ramasser, tiens, pourquoi pas. Allez-y, prenez-le. Excellent. Ok, j'ai l'impression que toi, t'as décidé de pas bouger. Donc bouge ton fion. D'ailleurs, bah, ils sont là, donc... Bouge-toi jusqu'ici. On a perdu quelqu'un de Place Marnie, mais ça non. Ah, parce qu'ils sont en train de courir debout là. Couchez-vous les gars, il y a une charge là. Et en plus, il y a là. Ok. Ici c'est géré. Très bien. Et bah, du coup, on va avancer par là. Les intégrateurs en plus, ils doivent être extrêmement bien armés, j'imagine. Ouais, c'est que du. Que des mecs à plasma là. Heureusement, on a du lourd. Par contre, putain, les saloperies de. Bon, du coup, on a un peu moins de monde pour progresser là. On va y aller avec les automitrailleuses. Peu de taux encore en renfort. Là, l'autre continue de nous casser les roubignoles. On va avancer.
Vous, si vous pouviez prendre ce bâtiment, ce serait cool. Là, on descend, on va là-bas. Some of the people in the jail were my founder squad buddies who deserted with me. It's my fault they're in there. Save them and I'll join your force. Forget it. I remember what happened last time you were on our side. No, I've learned my lesson. Please, just rescue my friends. Target spotted. Alors, c'est gardé par un MV et un char du cartel, c'est jouable. Des bandidos, probablement d'autres mecs là. Ici, il y a de la militia, ok. Bon, si on se pointe avec nos chars, ça peut passer. Il faut un meilleur angle de tir, toi, là. Saloperie avec leur artillerie lourde là, la plasma. Ok. En avant. L'autre il nous fait chier sur son toit, ça y est, il s'est fait sniper la tronche, excellent. Va par là-bas toi. Ici le camion il arrive. Allez. Déploie. On reprend la munition, on y retourne. Ah, elle est là, l'artillerie. Ok. On va la défoncer. Ils sont trop en panique, là. Ils se font dépouiller. Ah putain, l'autre, il est passé derrière l'angle, derrière la maison, j'hallucine. Ok, on se redéploie. L'objectif là, c'est de me shooter ça. Allez, ok, excellent. Ici, on a perdu du monde. Qui nous tire dessus? Du monde dans le bâtiment là, du monde ici. Qui a pu exploser comme ça? Ah, ça c'est l'artillerie à tous les coups. Ok, l'artillerie qui fait chier. On va aller prendre la position là. Ici, la tourelle a un peu souffert, mais rien d'insurmontable. On va se placer en position. Vous, venez me prendre ce bâtiment. Toi, viens là. Ici, ils sont pleins. Go ici. Toi, repack. Après, tu viendras là. Ici, ça fait le taf. Très bien. Là, il reste quoi? Un petit mec tout seul. Visiblement, on a réussi à se débarrasser de cela. C'est plutôt cool. On va peut-être laisser du coup nos mecs un petit peu affaiblis derrière. Prenez tout ça, vous. Je peux mettre les ATGM dans la tourelle. Non. Il y a quoi là à prendre? Lance-roquettes. Oh, t'as déjà ce qu'il faut. Une mitrailleuse à plasma. Ça, c'est pas mal par contre. Ils nous ont laissé du loot intéressant. Du coup, on n'a pas de... Non, on n'a rien pour tirer ici. Bon, là, il va falloir réparer. Toi, répare. Vous levez. Vous courez par là-bas. Ah, j'ai oublié le MV. Le MV, go. On a besoin de nettoyer cette foutue ville. Ah putain, ici, ils sont capables de nous faire mal à ce point-là. Merde. Repliez-vous, toi du coup, recule.
Ouf. Ça doit être des mecs à la TGM, c'est con là. Gaffe à ce qu'on fait du coup. Ici on va avancer un peu. Juste pour pouvoir se préparer à allumer. Ici est-ce que notre infanterie elle a pu ramasser? Je peux vous lever, c'est bon. Ok, c'est bien ce qui me semblait. On peut pas looter en fait avec les troupes de la T-Force dans ce scénario. C'est scripté visiblement, je voyais. En fait en cherchant un bug là pour les intégrateurs, voir si on pouvait, s'il n'y avait pas quelque chose à faire là. Je suis tombé sur le fait qu'effectivement les gens se plaignaient de ne pas pouvoir looter les armes des intégrateurs. Mais effectivement elles sont abusées quoi. Donc elles sont en jaune mais en vrai on peut pas les prendre. Alors du coup, vous et vous, on a besoin de vous ailleurs. Vous pouvez monter dans le Bradley. Vous pouvez monter dans le Bradley, et là... Non, vous pouvez monter dans le Bradley, vous êtes plus nombreux, et vous êtes 5, vous pouvez monter dans un de ces trucs. Donc déjà, debout. Là, il faut qu'on progresse, parce que ces enfoirés sont méchants. Ça tire, hein. On entend que ça déboîte. Là, le conducteur est neutralisé, mais on peut encore tirer. Ok, excellent, on place du monde, on défonce tout ce qui passe. Ah, il y a des mecs de l'autre côté, là. Les petits coquins, c'est bon, on a nos fusillés qui arrivent. Toi, viens par là. On va recharger le taux. Ah oui, voilà, je les ai envoyés avant qu'ils montent dedans, donc c'est pas grave. Qui c'est qui est tombé? Ici, on perd du monde, là. Ouais, bah à cause de ça. Non, il y a du monde déjà en face, c'est bon. On va essayer plutôt de prendre le bâtiment, traverser la rue. Là, ça ne flambe plus, les gars. Remontez-moi là-dedans. Ah oui, là, on peut pas... Vous pouvez me réparer ça tant qu'à faire, plutôt que rien faire. Si on se fait tirer dessus par un obusier ou un truc du style, là, ça pique un peu. On va avancer avec eux. Et avec eux. Et avec eux. Toi, déploie-toi. Toi, recule un peu. Le Bradley, du coup, est-ce qu'on ne ferait pas passer par derrière hein, pour qu'il se prépare à... On allume un peu ce qui se passe dans l'autre sens, là. Pareil pour toi, t'auras un meilleur angle de tir ici. Donc là, c'est au cas où il y a d'autres intégrateurs, mais je suis pas trop inquiet. Là, il y a le mec tout seul avec son fusil à pompe, on va le laisser là. Oui, du coup, il peut pas pirater ça. Peut-être que si on avait une IEM, on aurait pu, mais tant pis, c'est pas très grave, on fera avec. Là, il y a notre petit allié qui s'est planqué. Le vendeur d'armes, là, qui s'est planqué. Vous, venez se prendre ce bâtiment. On a perdu quelqu'un ici. Ouais, bah ici, forcément, hein, on se fait défoncer par de l'artillerie, donc ça pique un peu, mais on va gérer. Ok, là il y a des mecs qui essayent de nous tirer dessus. Est-ce qu'on est capable de se les faire? On a du snipe normalement. Donc, je suis pas trop inquiet. Ici on peut avancer. On va avancer. On va foutre un sniper juste là. Là, je vais me réparer ça. Ici... Ils ont détruit le moteur de l'automitrailleuse là. Ouais, faut qu'on recule. Avec eux, faut qu'on recule.
On va foutre eux dans les bâtiments. Et il faut qu'on détruise cette artillerie là. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Ouais, parce que là, ils se font... ils se font dépouiller le pauvre bâtiment, il ressemble plus à rien. Allez dans le bâtiment en face, tant qu'à faire. Ici, vous allez essayer de réparer quand même, si vous pouvez. Et là, le Bradley... Et il commence à nous tirer dessus, ça y est, il nous a vu arriver. C'est ce truc-là, là. Un Humvee avec un obusier dessus, quoi. Vas-y. Atomise-moi cette saloperie. Le machin, là, il est où? Il est là, ok. Oh, il y a du monde ici. Prenez-moi ça d'assaut, tant qu'à faire. Je sais pas ce qu'il fout tout seul, là, le gars, mais... On va s'en occuper. Ok, reprenez-moi cette rue. Ici. Ils sont trois péons, là. Hein. Juste lancez-moi l'assaut sur ce foutu bâtiment. Vous, là. Ici, du coup. Comment ça se passe? Il y a des mecs qui tentent de traverser ici, on les allume. Ici, pareil. Ici, le Bradley, il va commencer à être bien. Là, on a le sniper en position. Ici, il faut qu'on recule un peu. Allez, on a bientôt retapé ce Bradley. Oula, ici, il y a du monde. Est-ce qu'on a réussi à shooter ça? Pas encore. Ok, l'artillerie s'est gérée, excellent. Ah merde, ils ont plus de munitions. Une munition de fusil de précision laser, ça c'est pas cool ça. Il va nous falloir... Alors là-bas... Ah putain, on est à sec. Ok, on est définitivement à sec. Du coup, les deux ATGM... J'aimerais bien qu'ils servent là. Vie ici. Vous, ce serait bien si vous veniez là. Je pense que vous auriez un angle pour vous débarrasser de ça, l'escouade ATGM. Eux, ils ont réussi leur assaut. Go. Lancez-moi un assaut sur ça aussi, tant qu'à faire. Ah, il n'est pas détruit. Ah non, c'est un autre. Ah, ils ont deux Humvee d'artillerie, les sabots. Ok, shoot-moi celui-là, Bradley. C'est parti. Le mec avec son tractopelle, là. Je l'ai renvoyé dans la rue. Toi, répare. Toi, répare. Toi, t'as à peu près avancé. Vas-y, tu vas te poser là. Ici, on va dire. Écoute-moi ça. Le tractopelle, il fait sa vie je ne sais où. Ok, non, il faut vraiment qu'on le débloque de là. Viens là. Il est hyper lent, le pauvre, là. Ici, ce bâtiment est un peu trop costaud à mon goût. Mais on va commencer à l'allumer de loin. Lui, ça fait chier. Il sort plus à rien, du coup. On va poser les squads d'armes lourdes dans ce bâtiment-là. Si elle peut faire un petit peu de dégâts, ce sera pas mal. Vous, ici... On se fait tirer dessus par quoi? Il y a un foutu tank là. On va reculer un peu, je pense. Placer là. Se placer là. Ici, on a réussi notre assaut. On va essayer de poser les squads à canon sans recul dans ce bâtiment là. Là, on a réussi à nettoyer totalement l'artillerie. C'est excellent.
On a perdu un membre de usine 1 ici, ouais bah logique, hein. Forcément on est bien exposé au tir. On va récupérer, il n'y a plus personne ici visiblement. On va envoyer notre mec en ATGM jusque là s'il peut atteindre cette zone. Le Bradley, il peut s'occuper de ça, ouais. Notre véhicule ATGM il est là, on va aller le poser juste ici. Le fait commence à souffrir. Allez. Excellent. Est-ce qu'il y a un char toujours ici? J'ai l'impression que non. Hein. On va avancer un peu avec le transport pour être sûr. Mais non, on dirait que non. Donc ça veut dire qu'on peut utiliser notre dernier taux pour neutraliser ça. Voilà, ici notre escouade ATGM commence à être en place là. Elle fait le taf. Ah, ils en ont plus, putain. Ils ont plus d'ATGM, fuck. Alors qu'il reste un char en face. Ça, c'est pas cool. Ça veut dire. On charge avec le Bradley. Et avec le bulldozer. Tant est qu'on puisse charger avec un bulldozer. Ici. C'est un assaut sur ce bâtiment-là, tous les deux. Toi, est-ce que t'as la cartouche anti-char, là? Tu peux essayer d'utiliser ça là-dessus, ça serait cool. Si, ces enfoirés, là, dans le bâtiment, ils sont très bien posés. Vas-y, balance ton taux. Ok, recule. Excellent, voilà. On allume leur... Ah putain, ils nous ont tué un pilote ici. Putain, ces enfoirés là, ils sont très bien placés dans leur petite tourelle là. On a plus de snipe, on a plus rien pour les shooter, il n'en reste plus qu'un. Ça fait le taf quand même. Ici on a pris le bâtiment. Le tank est mort. Allez go. Assaut là-dessus. Assaut là-dessus, c'est parti. Pas qui c'est qui a réussi à se le faire, mais c'est bien joué. Vous deux, bah retapez-vous un peu parce que vous êtes dans le mal. On va envoyer ça. Ah non, ça c'est la plateforme. La voiture, voilà, ici. Et toi, on va concentrer le tir, on va raser ce bâtiment s'il le faut. Ça, ça doit être un sniper. Ok, ici, on n'a plus de conducteur, il ne reste plus qu'un mec dedans. Là, il est tout seul également. Là, pareil, il est tout seul, dommage. On n'a plus vraiment de quoi mettre comme conducteur dans ces véhicules-là. Quoi que si, on pourrait sortir ici. Mettre eux. Puisqu'après tout, ce truc-là n'a plus aucune munition, donc... Ok, toi avance là, il y a des foutus snipers à éliminer là-bas. Non c'est bon, on dirait que c'est fait. Ah. Ils ont plus de hit. Et toi, t'as plus de HE non plus, c'est pas grave. Il devra commencer à arriver à court de munitions, j'espère là. Tac tac tac. Armement endommagé, déplacement endommagé, on répare. Il reste encore un mec là, putain, on va avancer hein, parce qu'il faut que. Il faut qu'on aille prendre ce. Ce bâtiment là. Ok, parfait. Il a été snipé. Go. Il reste un mec tout là-bas qui vient de se faire éliminer. Excellent. Réparez un peu, après vous placez comme ça. Prenez-moi ce bâtiment. Alors attendez, non, pas tout de suite. Parce que si on prend ça, ça va compter comme une réussite de mission et on veut l'objectif secondaire avant. Putain, il y a encore du monde là, sérieusement? Au sol.
Ok, au moins le... Ouais, le fusil laser fait le taf. C'est quoi le problème? Pourquoi on peut pas rentrer dans ce bâtiment? Si, rentrer dans ce bâtiment, allez-y. Toi, c'est pareil. Tu fais avec ce que t'as, c'est-à-dire pas grand-chose. Allez, go, faites-moi un assaut là-dessus. Ils vont réussir à le P quand même. On peut quand même récupérer quelques unités pour aller nous aider là. Hein. Vous. Go. Les escouades de lance-roquettes sont pas les plus adaptées pour aller au corps à corps, j'avoue. C'est un mec, il est mort. Il n'est pas considéré comme l'ayant pris là. Si, c'est bon. Just let me talk to my buddies. Then we'll join you later. Good to have you with us. We could use those skills of yours. Ok, il reste qui? C'est bon. We even found what's left of that Miguel asshole. Then it's over. We're free. Over in New Tortuga. But we need to keep going with what we've started here. You're right. My people here want to keep on fighting the cartel. T-Force 2. We started this war with the cartel. We need to help finish it. Glad to hear it. The movement really needs a strike force like yours. Still gonna be cartel troops wandering loose in town. The movement troops arriving to protect the town can deal with them. I'm moving on now. To Chihuahua? Where the cartel leadership is? Yeah. Like you say, we have to finish the war we started here. And that's where we're going to. Take down the cartel. Then we could turn our attention back to Legion. Ça me va. Évacuer Liz, partez de Nueva Tortuga. Ok. Du coup, il vient tout seul ou... Ah non, d'accord, on l'a pris. Alors, on va faire une petite sauvegarde au cas où il y ait genre des mecs du cartel qui se pointent et puis qui décident de le buter. Mais du coup, ça veut dire que on peut dégager. Ah, il y a les renforts qui arrivent, très bien. Donc, tout le monde. Ici. Allez, ici. Niveau armes, de toute façon, je m'attends pas à des miracles. Au niveau du cartel, ils avaient globalement de la merde. L'escouade de Church, elle est plutôt bien équipée. Ce que j'aurais bien voulu équiper, c'est eux, là. Mais ça, c'est du RPG, c'est pourri. Une M240, c'est pourri. Pareil, là on a quoi? Lance-roquette, ouais. Est-ce qu'il n'y a pas quelques snipes qui seraient tombés ou... Non, en plus, ils ont déjà une mitrailleuse avancée. Là, si on pouvait éventuellement ramasser des sauts... Alors il y a quoi là? Lance-roquette. Lance-roquette. Musique précision M2010, classique, ok, très bien. Ça nous a coûté tellement cher en munitions par contre. Est-ce qu'on peut sortir? Ah, je l'avais complètement zappé lui. Bah, go. Le camion de ravitaillement, il est à sec, ça vaut pas le coup. On va plutôt aller chercher
La camionnette tôt là. Tu peux te relever. Vas-y, cours. Les petits civils sortent du bois également, logique. Excellent, tous les renforts qui arrivent là. Ça va faire du bien d'avoir de la troupaille à... pour recharger nos troupes, hein, parce qu'on a eu de la perte quand même là. Ok, ici vous sortez. Ramasse-moi ça. Ouf. En avant. Pauvre là, ils peuvent plus rouler quoi. Ils sont complètement défoncés. Purée, j'espère qu'on va pouvoir piller un peu de ravitaillement dans le coin aussi, en plus des troupes. Hein. Vous faites là-haut. On est ici. C'est vrai que c'est dommage hein, de ne pas avoir pu prendre les armes des intégrateurs, mais bon. On peut pas tout avoir. Ce que j'espère, c'est qu'ils vont pas rester trop ennemis avec nous. Parce que c'est bien de passer des accords avec les fumiers, mais... ce serait mieux de passer des accords avec les gens gentils, n'est-ce pas? Alors toi, tu vas t'arrêter là. Ah merde, et je le contrôle plus. Bah, j'espère que ce qui reste derrière va pas rester derrière. Normalement, il reste plus que lui. Au pire, si on perd un mec. Putain, le Bradley là, Tom. Oh, j'espère qu'il est sorti. Continuez. Si on a perdu Bradley avec Bebop dedans, je recharge, hein, rien à foutre. Ok, on va de toute façon arrêter l'épisode là. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous avez pensé. On se dit à très vite pour la suite. Alors on va faire une petite rallonge puisque la cinématique se lance direct. On essaie de nous parler, visiblement. Must be something important if they're boosting the signal enough for us to pick it up this far out. We already have a mission, Sergeant. Remember? You mean running errands for these movement civilians? We're founders, sir. We should be taking the war to the wireheads. That's what Major Stevens ordered us to do. Stevens left me in charge here, Sergeant. Not you. Et bim. On behalf of the movement, I want to thank you for everything you've done in New Tortuga. Our supplies chief has just arrived, and has orders from Jess to reward you for your work. Come find me when you're ready to leave. Maybe we've not seen the last of each other yet. Ah, c'est clair que là, on est dans le mal. Ok, on s'arrête là pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. On se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde.